sur cette semaine, donc on a quand même eu, comme d'habitude, sur les chantiers loisirs, la moitié du temps en activité, donc à désosser des palettes puis à pouvoir construire ces poulaillers. Et l'autre moitié du temps sur des animations, où là toutes les animations étaient pratiquement nouvelles, sauf la patinoire. Sinon, donc on a eu la chance d'avoir. Je vais manger ton plat. Alex. Alex et Karel qui étaient là et qui nous ont fait une animation mardi après-midi sur. Ils vous expliqueront après. Concrètement, les ateliers qu'on a fait. Alex, il a géré du light painting, donc on ira voir des images parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes que les mots que j'ai utilisés. Mais en gros, c'est un travail photographique autour de light painting, donc peinture avec de la lumière, donc dans cet espace. Et moi, j'ai fait donc ce qu'on appelle du VJing. Alors le VJing, c'est comme le DJing, donc vous avez tous entendu parler des DJ. Et ben nous, on fait la même chose avec de la vidéo. Donc on avait mis en place un petit dispositif où en fait, moi je suis arrivé avec une proposition des images qu'on a fabriqué donc sur le territoire, qui étaient des images de feu, d'air, de terre et d'eau, puisqu'on travaille sur ces quatre éléments fondamentaux dans notre cartographie du sensible, qui est le projet qu'on a présenté à la communauté de communes. Merci. Et on a mélangé en fait ça avec des prises de vue réelles, mais encore une fois, on va les regarder si ça vous intéresse. Et on a aussi, alors ça je vous le dis, on a aussi fait une petite sélection des photos justement du résultat de ce travail donc, que vous allez voir ce soir et un petit montage vidéo qu'on pourra donner à Fabien sur une clé USB. Si vous avez envie de le récupérer, ça sera possible.